des pyjamas. Pyjamas, file des pyjamas. Pyjamas. Yo-yo, super rapido. Passe. À toi. Yo-yo, rapido. Quand il n'y a pas de méchant, ça nous laisse le temps de nous entraîner. Attention, Roméo. Le chaton a perdu sa balle. Il va s'enfuir. Yo-yo, rapido. C'est plutôt yo-yo lent comme une tortue. Ce n'est pas pour voler votre balle que je suis venue vous voir. C'est juste pour te montrer qui est le plus rapide. Yo-yo Ramolo. Moi. Ah, espèce de... Oh, Roméo. J'ai corrigé vos contrôles, les enfants. Amaya, c'est très bien. Greg, beau travail. Oui. Et Sacha, c'est ta meilleure note de l'année. Wow. Bravo, tu as dû travailler très dur. Ça, c'est vrai. Et je vais faire la même chose pour améliorer mon yo-yo rapido. Sacha, t'es déjà assez rapide. Mais si la prochaine fois, Roméo ne se contente pas de voler une balle et qu'il est plus rapide que moi, je dois passer à la vitesse supérieure. Pyjamas, car on a un nouveau défi. Les soucis, on les règle la nuit. La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Amaya devient... Bibou. Ouais. Ha. Greg devient... Bibou. Sacha devient... Robot, trouve-moi un parcours dans la ville qui va m'aider à être encore plus rapide qu'avant. Oui, je vais courir encore plus vite. Ce sera un yo-yo super rapido. Glu-glu, tu vas me chronométrer. Bibou, tu me suivras d'en haut. L'équipe de yo-yo, en avant! L'équipe de yo-yo, c'est ça? Je voulais dire la pyjama équipe. Très bien. À vos marques, vous êtes prêts? Partez! Yo-yo, rapido! Wow! Yo-yo s'entraîne à courir plus vite. Ce n'est pas moi qui vais l'en empêcher, mais peut-être ses poubelles. Hein? Roméo, encore lui. Continue. Je vais atteindre la vitesse supérieure. Tu peux m'aider, Bibou? Bibou Tornado. Oh ouais. Rapide. Pigeon robot, est-ce que tu as vu Yo-Yo? Oui. Waouh, c'est vrai qu'il va plus vite qu'avant. Fonce, Yo-Yo. Il y a un
un problème avec le pigeon cristal. Le pigeon cristal perd de sa puissance. Yo-Yo, tu utilises trop de puissance. Tu dois ralentir. Je dois continuer. Par mes écailles, il ne m'entend pas. Et les remettre dans le pigeon cristal. Hein? Je risque de perdre tous mes pouvoirs et de me retrouver sans rien pour toujours. Je préfère perdre mes pouvoirs que mes amis. C'est l'heure d'être un vrai héros. Ça c'est la belle vie. Allez, frottez plus fort. Je vous rejoins, maître. Pigeon Cristal, je suis désolée d'avoir pris ta puissance. Tiens, reprends-la et redonne-la à mes amis. Ils en ont plus besoin que moi. Qu'est-ce qui nous arrive? Mes pouvoirs, ils disparaissent.
Mais mes amis ont toujours besoin de moi. Je vais les attraper. Wow! Glug l'humain est fille collant. Bibou Tornado! Non! Oh! Venez! Tu as encore raté ton cours, Roméo! Je me vengerai, les pyjaminus! Ah oui! Tu as vraiment pris le risque de perdre tous tes pouvoirs à jamais? Merci. Je n'aurais pas dû essayer de courir plus vite. Tu voulais simplement être encore meilleur. Oui, mais je vais me contenter d'être un ami encore meilleur. Après tout, je suis déjà assez rapide. Pyjamas, on crie hurrah! Cette nuit, on a réglé les tracas! Yo-Yo est la mission pour Choumakak. Grâce à mon tuyau maxi-aspirant, je peux prendre tout ce que je veux sur Terre et le transformer en ferraille. À quoi cela va servir, maître? À construire un tuyau encore plus aspirant. Allons-y, j'ai bien envie de prendre le bus. Yo-Yo, ligoto! Glu-glu, méga muscle! Pourquoi prendre un bus alors que je pourrais avoir un avion à moi? Hé! Hey, laisse mon instant hibou tranquille! Pija robot, on rentre au QG! Ouvre la trappe de l'astro hibou! Toujours courir, je vous retrouverai. Il ne court pas, maître, il vole. C'est une expression, espèce de tas de boulons. D'accord, très bien. Vous pouvez toujours voler, je vous retrouverai. C'est mieux? Vous verrez, les pyjaminus. La prochaine fois, j'aspirerai tous vos véhicules. Ouf, on l'a échappé belle hier soir. Ça devient trop dangereux de sortir nos véhicules à cause de Roméo. Bon, il faut qu'on trouve un moyen de bloquer son tuyau maxi-aspirant une bonne fois. Oh oh, une farce de Choumakak. Oublie-le un peu. Ces petites farces ne sont rien du tout comparées au tuyau d'Oro. Une seconde, Choumakak est un petit singe farceur. C'est vrai. Et? Et si on le faisait entrer dans l'astrolabo pour y faire ses petites farces? Il pourrait faire diversion. Et ça nous laisserait assez de temps pour bloquer le tuyau. Tu veux lui envoyer un singe pour qu'il fasse des bêtises? Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Si, c'est une excellente idée. Pyjamasque, on a un nouveau défi. Les soucis, on les règle la nuit. La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter une terrible méchante. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Amaya devient... Yo-Yo! Les pyjamas! Malin et rapide. Comment on va faire pour le trouver? Il suffit de tomber dans un de ces pièges glissants. Très drôle, petit tigre bleu. On est très contents de te voir, nous aussi. On a besoin de toi. Vous avez besoin de moi? Oui, en échange, on te donnera... des bananes.
C'est trop gentil. Schumacak n'a justement presque plus de bananes. Une autre idée? Attends, je suis sûre que ça pourrait marcher. Aide-nous et je te promets que tu t'amuseras. Oh, j'adore m'amuser. Schumacak va vous aider. Voici l'astrolabo de Roméo. Pija Robot a dessiné un plan et, comme tu peux le voir, c'est une machine énorme et impressionnante. On y entrera par cette entrée. Hein? Qui a fait ça? Excellente farce, Schumacak, mais garde ça pour la mission. Quoi? L'astrolabo se dirige par ici. C'est parti. Je vais m'amuser. Bien, Schumacak, reste tranquille et ne fais pas de bruit. Allez, au travail, mes jolis robots volants, au travail. On aura bientôt assez de métal pour... Oh, en voilà une belle voiture. Enlève tous les poils de chat des sièges et mets la matou mobile dans le compacteur à ferraille. C'est un autre jouet. Oh. Je te tiens. Oh. Ah ah, mais c'est mon bon ami Yo-Yo. Changement de programme, robot. Danse pour lui, danse. Danser, maître, mais vous dites toujours que danser est interdit. Vas-y, et ne t'arrête que si je t'en donne l'ordre. Ouais. Très bonne farce, Schumacak. Robot, oh, qu'est-ce que tu fabriques? Tu vois bien qu'il est en train de danser. Oh, un enfant déguisé en singe? De mieux en mieux. Sortez de mon astrolabo. Oh, 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 oh. Tiens-toi prête, Bibou. Oh, je te tiens. Hé, hey, laissez-moi descendre. Désolée, Roméo, tu vas devoir rester avec nous. Ceinture. Bien joué, Schumacak. Je savais que tu serais parfait pour cette mission. Hein, Schumacak? Wow. Il y a plein de boutons de toutes les couleurs. Essayez de m'attraper. Raté! Essayez encore! Bip, 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 bap, bap, bap. Schumacak! Schumacak! Où est passé ce singe? Wow! Et qui pilote l'astrolabo? Oh, oh non! À quoi sert ce bouton? Et celui-là? Et celui-ci? Et celui-là? Et si j'appuie là, ça fait quoi? Schumacak, chocolat chaud, prête à dérailler. Schumacak, arrête d'appuyer sur tous les boutons. Ne bouge pas. Hélice arrière activée. Astrolabo lancé vers l'espace. Schumacak, non. Bibou, on se dirige vers l'espace. On arrive, Yo-Yo. Je ne le reverrai jamais. Et Yo-Yo et Schumacak non plus. Oh, ça. Oh, rien ne m'empêchera d'arrêter Schumacak. Tous les systèmes en balle. Tous les systèmes en balle. Oh, surtout ne bouge pas.
bouge plus, Choumakak. Je vais réparer ça. Non! Ah! Oups! Désolé. Oh, ça sent les ennuis. Gluglu, Bibou, est-ce que vous arrivez bientôt? Non, désolé, vous êtes monté trop haut et trop vite. On ne peut pas vous rattraper. Je dois me débrouiller tout seul. Mais comment? Appuie sur les boutons. Facile. Mais on ne sait pas du tout sur lequel appuyer. Le bleu fait plein de bruit, et le bouton vert encore plus, et le marron fait du chocolat chaud. Tu as retenu tout ce qu'ils font? Très bien. Trouve le bouton du tuyau maxi-aspirant. Facile. Le rouge qui clignote. Tourne-le à gauche. Maintenant, active l'aspireur. Oui. Non. Dans l'autre sens, le souffleur. Ouais. Merci, Choumakak. Tu peux trouver le bouton pour libérer ma queue? Oui! Mon tuyau maxi-aspirant! Ton singe farceur et toi, vous avez utilisé toute sa puissance! Il fallait bien qu'on revienne de tout là-haut! Bande de pigeons nuls! Robot, décollage immédiat! Ta-ta-ta-ta! Oui, maître! Joli travail, Choumakak. Tu es malin. Pas seulement farceur, mais vous aviez raison. Les soucis ne se règlent pas en faisant des bêtises. Mais on s'est bien amusé. Miaou. Pyjamasque, on crie hurrah. Cette nuit, on a réglé les tracas. Les pyjamasques et la surprise de robot. Hein? Les amis, ça sent les ennuis. Regardez. Des nuages de saleté de l'astrolabo. Roméo a recommencé. Pourquoi les méchants font toujours tout pour semer la pagaille? Ils pourraient prendre des vacances. Je ne sais pas, mais on doit arrêter Roméo. Pyjamasque, on a un nouveau défi. Les soucis, on les règle la nuit. La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Amaya devient... Yo-yo. Les pyjamas. Pyja Robot a raison. L'astrolabo est devenu complètement zinzin. Oui, qu'est-ce que Roméo fabrique? Je n'en sais rien, mais il va falloir qu'on... Roméo? On dirait qu'on ne va même pas avoir à le chercher. On ne va pas s'en plaindre. Alors, tu en as déjà assez, Roméo? Quoi? Non, je ne suis pas venue me rendre les pyjaminus. En fait, j'ai besoin de... votre aide. Quoi? Oh, pourquoi moi? Mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter ça? Mon idiot d'astrolabo est tout déréglé. Il ne m'obéit plus. Oh, vous êtes bien équipé. Je peux essayer? Non, tu ne toucheras à rien du tout. Yo-yo, ligoto. Oh, pourquoi t'as fait ça? J'ai dit que j'avais juste besoin de votre aide. Il faut suivre. Attends, où est ton fidèle robot qui te suit partout? Ce tas de ferraille, il ne m'obéit plus. Je suis sûre qu'il est derrière tout ça. Il essaye de s'emparer de mon astrolabo. C'est une révolte des robots. C'est pour ça que j'ai besoin de vous. Pourquoi vous ne me croyez pas? Parce que tu es Roméo. Oui, c'est vrai. Mais cette fois, c'est différent. Réunion de pyja équipe. Même s'il essaye de nous tendre un piège, on n'a pas le choix. Il faut qu'on empêche l'astrolabo de déverser ses nuages de saleté. On est des héros. Oh. Tous au pyjavion. En avant. Youhou. Les pyjamasques. Waouh, c'est vraiment génial. Enfin, c'est pas mal pour des pyjas casse-pieds. C'est l'heure de mettre en place mon plan, Jenny. Non,
on s'en charge. On va te déposer sur l'astrolabo et te surveiller pendant que tu reprends son contrôle. Mais pas de coup tordu. Attends, le plan c'est de rendre à Roméo son usine géante qui fait des dégâts? L'astrolabo va salir toute la ville. Il faut qu'on l'en empêche. Mon idée était bien meilleure. Trouver Robo et le forcer à admettre qu'il essaye de prendre ma place. Tu veux juste nous tendre un nouveau piège. Et non, notre pigeavion, nos règles. Détends-toi et profite du voyage. Les pyjamasques se chargent de tout. Wow! Le voilà, le traître à gros boulon. Robo, réponds-moi tout de suite. Oh, vous voyez, il n'obéit plus à mes ordres. Je sais qu'il prépare quelque chose. Vite, suivez-le. Bien essayé, mais on a un plan et on va le suivre à la lettre. Ce n'est pourtant pas difficile à comprendre. C'est moi le génie ici. Et c'est pour ça que tu as besoin de notre aide. Oui, j'ai besoin de vous pour m'aider, mais à ma façon. Ce n'est pas trop demandé. Oh, surtout ce soir. Hein? Qu'est-ce qu'il y a de spécial ce soir? D'où viennent ces robots volants? Oh, c'est une attaque. Tu as fait diversion, un grand classique de Roméo. Il faut juste filer d'ici. Tourne à gauche. Non, laisse-nous faire à notre façon. Vitesse maximum. On arrive vous déplumer. Je vous avais prévu. C'était le pire vol de ma vie. Et j'ai bien peur que ce ne soit de pire en pire. Regardez. Le tuyau a salté. C'est Robo, c'est sa faute. Si vous étiez de vrais héros, vous m'écouteriez. Tu nous as tendu des pièges tellement souvent qu'on ne te croit plus. Robo m'a trahi et il m'a forcé à venir demander l'aide des Pyjaminus. C'est vraiment la pire soirée de toute ma vie. Hein? Robo, reviens ici. Oh non. Non, toi reviens ici, Roméo. Je suis sûre qu'il a tout manigancé depuis le début. Il veut nous piéger. Vite, il faut les rattraper. En avant. Hé, hey, Robo, attends-moi. Roméo, attends-nous. On en a plus qu'assez de tes plans. Oh, et ton labo a solté. Est-ce que tu pourrais l'arrêter? Il s'en sert pour nous ralentir. Encore un grand classique de Roméo. Je n'y suis pour rien. Alors c'est l'heure du grand classique de Yo-Yo. Yo-Yo Rapido. Yo-Yo Ligoto. Wow. Je te tiens. Très bien, Roméo. Ça suffit. Moi, c'est plutôt Robo qui me doit une explication. Je t'écoute. Allez, vas-y. Maître, j'étais juste... Laisse-moi deviner. C'est la révolte des robots. Tu essayes de devenir le maître du ciel? Ou le maître du monde? Ou peut-être que tu... Je voulais organiser une fête surprise pour vous. Hein? Je voulais de jolis lasers de robots volants et de beaux nuages, mais je n'ai pas trouvé les réglages de fête de l'astrolabo. Oh. Et je suis descendu en ville pour venir chercher un gâteau. Joyeux anniversaire, maître. Je suis venu le mettre au four tout à l'heure. Mais c'est ton anniversaire? Ce n'est pas grave, personne ne me le souhaite jamais. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Désolé, Robo. Nous aussi, on est désolés. On pensait que c'était un piège, pas une fête qui avait mal tourné. Très mal tourné. Touche au pyjavion. Oh non, on est coincé. L'astrolabo va s'écraser, on ne peut pas l'arrêter. Mes machines incontrôlables. Pourquoi je suis si douée pour les créer? Roméo, on a besoin de toi. Et comme c'est ton anniversaire, tu seras le roi de la soirée. Je suis toujours le roi, je te signale. Ça ne change pas de d'habitude. Mais au lieu de causer les tracas, tu vas pouvoir les régler. Je crois que c'est la première fois qu'on t'entend rire normalement. Ça fait du bien. Il va nous falloir une grosse machine pour nous débarrasser de tous ces nuages de saleté. Robo, c'est l'heure de nous mettre au travail.
glu glu bouclier écaille. Bi-bouclier. Yo-yo rapido. Yo-yo ligado. On ne va pas pouvoir tenir longtemps. Youhou, les pyjamas, on est prêts. Je n'ai jamais été aussi content de voir Roméo et Robo. Je vous présente le Turbo Ventilo 3000. Encore une machine. On a utilisé le vieux sèche-cheveux de maître. Ouais, ouais. On va pouvoir reprendre notre mission. Tous à bord. D'accord, capitaine. Et cette fois, on veut bien suivre ton plan génie. Parce qu'on te fait confiance. Et que c'est ton anniversaire. Ah, enfin, tout le monde m'obéit ce soir. Cet anniversaire est super. Oui, hip-hip-hip-hourra. Cette fois, c'est à moi de jouer. Ouais! Il va falloir faire vite et être très malin. Prêt à monter à bord. Je vais avec toi, juste au cas où. Hein? Longue jambe télescopique. En avant! Il faut entrer votre mot de passe. Génial! On peut enfin commencer à faire la fête. Robo, c'était quoi tes idées? Des lasers de robots volants et un portrait géant de maître fait en nuage. Excellent! Mission accomplie! Vous pouvez venir me chercher, les amis. Pas si vite, hein? Les pyjamasques. Toi, tu ne vas nulle part. On vous invite tous les trois à fêter mon anniversaire. Et Pyja Robot aussi. S'il vous plaît. Super. Alors que la fête commence. Vas-y, Robette. Oui. Je viens d'avoir une nouvelle idée. Un plan de génie diabolique. Hein? Maintenant, ce sera tous les jours mon anniversaire. Une part de gâteau. Pyjamasque, on crie au art. Cette nuit, on fait la fête pour mon anniversaire.